À notre anniversaire, mon amour. C'est quoi ça? 500 $ pour un vrai baiser de votre petite amie. C'est une très mauvaise blague, mec. Je ne plaisante pas. Sérieusement? 1 000 $. Et on a un accord. Simon, t'es sérieux, là? J'ai dépensé plus de 1 500 en un an dans notre relation. Vous savez, en fait, nous sommes fiancés. 2 000 $. Et vous devez partir maintenant. C'est insensé. Désolé, chérie, ce monde n'est qu'une question d'argent, pas d'amour. En un seul instant, un étranger a audacieusement détruit ma relation pour prendre possession de moi. Mon nom est Nina, et ceci est mon histoire d'amour. Hé, hey, attendez! Qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Moi, c'est Clark et je t'aime. Ah, et c'est pourquoi t'as décidé de m'acheter? Oh, pas toi. Juste un baiser. Va au diable, je vais pas t'embrasser. D'accord, c'est bien. Ce qui importe, c'est que tu n'as plus à sortir avec cet abruti. J'étais outré. Mais d'une certaine manière, il m'intéressait. Tu veux sortir avec moi? Sortir? Ouais. Je ne veux même pas être près de toi. Wow. Oh. Salut. Dieu merci, t'es réveillé. Je vérifie juste que t'es en vie. C'est quoi ton nom? Nina. Oh, Nina, peux-tu m'aider à arranger mon oreiller? Désolée, arranger ton quoi? L'oreiller. Oh, j'ai vraiment risqué ma vie pour toi. D'accord. Juste pour ça. Ah. Oh. Eh ben, merci. En fait, j'espère que c'est la dernière fois que je te dis au revoir. Voilà pour vous. Quoi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Nourrissez votre petit ami. Il n'est pas mon petit ami. Il n'est pas mon petit ami. Il n'est pas... Qu'est-ce qui te fait rire? Prends-le. Mange-le. Ah ouais, tu peux y aller. Je peux manger tout seul. Ferme-la et ouvre ta bouche. Je ne peux pas croire que je dis ça, mais il y a quelque chose chez ce gars qui m'attirait. De quoi est-ce que je parle? Il est comme Simon. L'un m'a vendu, l'autre m'a acheté. Nina, t'es là? Désolée, ouvre la bouche. Ok. C'est bon, j'ai plus faim. Écoute, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce que t'as fait pour moi, mais... Tu me dois un café. Ouais. Dès que tu sortiras de ton lit d'hôpital. Oh, passe-moi ta main. Dans ce cas, je t'emmène au restaurant tout de suite. T'as perdu la tête? Vous n'avez pas le droit de quitter ce lit. Ouais. Mais on a un rendez-vous. Non, on n'en a pas. Je ne vais nulle part avec toi. Personne ne va nulle part. Recouchez-vous tout de suite. Mais on a un rendez-vous. Non. S'il vous plaît, surveillez votre petit ami. Il n'est pas mon petit ami. Je m'en fiche, mais calmez-le. Parce que s'il s'évanouit, ce sera sur votre conscience. Non. On a un rendez-vous? Non. Bien. Bien. Je prendrai un café avec toi, juste remets-toi au lit. Ok. Mais j'y arrive pas. Nous allons vous aider. Oh.
Ok, attention. Ouais. Attention à votre tête. Merci d'avoir... Oh, s'il vous plaît. Attendez. Nina, t'es là? Oreiller? Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi, c'est ça? J'essaie juste de t'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai peur de pas te retrouver. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Mais je suis restée avec lui pour la nuit. Comme si quelque chose me poussait à rester. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais autant ri. On aurait dit qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Au fait, tu ne m'as jamais dit pourquoi t'as fait ça. Excusez-moi. Livraison pour la plus belle fille du monde. Je suppose que c'est pour vous. Tenez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment t'as fait ça? Non, sérieusement, elles sont si belles. Tu ne mérites que le meilleur. Eh bien, Simon ne serait pas d'accord avec toi. Parce que c'est un idiot. Qu'est-ce que tu fais? Non, sérieusement, mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais danser avec toi. Tu aimerais quoi? Sérieusement, tu n'as pas le droit... Comment peux-tu rejeter ton sauveur? D'accord. Mais pas pour longtemps. Non, bien sûr, quelques heures, mais pas longtemps. C'est tellement étrange. Mais... Tu sais quoi? J'aime beaucoup le violon. Je m'en souviendrai. À ce moment-là, il n'y avait plus aucune trace de colère contre lui. Je pense que j'étais prête à aller à 100 rendez-vous avec lui. Mais j'avais peur que cette romance ne soit qu'une ruse. Ou un calcul. Ah, tu vas bien? Oh, ouais, je vais bien. Je savais que ça allait être comme ça. Attends, les fleurs. Oh, s'il te plaît, reste un peu plus longtemps avec moi. J'irai pas mieux sans toi. Ok. Je ne me souviens pas m'être endormie, mais j'aurais aimé anticiper la déception que j'allais avoir le lendemain matin. Bonjour. Comment vas-tu? Ah ! Je vais bien. Comment tu vas? Qui êtes-vous? Les amis de Clark. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Où est Clark? On ne sait pas. Mais je suis content que tu sois avec lui. Malgré le pari. Quel pari? Il ne t'a rien dit? Le pari que nous avons fait sur toi? Enfin, plus précisément, sur l'argent. En fait, il a gagné. Tant que c'était juste... pour de l'argent. J'ai eu l'impression que mon cœur s'est arrêté de battre. Il semble que Simon avait raison. Il n'y a pas de place pour l'amour dans ce monde. Hé, hey, tu me cherches, ma belle? Combien? Combien quoi? Combien as-tu gagné sur moi? Dégagez! Tu sais, ça n'a vraiment pas d'importance. T'es comme Simon. Oh non! Écoute-moi et... Moi, c'est ta seule préoccupation. Ah, et l'argent, j'ai oublié. S'il te plaît, écoute-moi. Pas encore. C'est quoi ça? Écoute, tout ce que j'ai dit, tout ce que je ressens pour toi n'est pas un pari. La première fois que je t'ai vue, j'ai failli m'évanouir devant ta beauté. Et ces deux imbéciles, ils ont vu la façon dont je te regardais. Et... alors ils m'ont mis au défi de t'embrasser. Félicitations. Tu as gagné. Oui, mais il ne s'agit pas d'argent. J'ai gagné l'opportunité de passer une soirée avec la meilleure fille du monde. La meilleure. La seule et unique.
Je suppose que c'est le moment. Tu veux parier ? Sur quoi ? Que je serai le meilleur petit ami que t'aies jamais eu. Marché conclu. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour est la seule chose qui vaille la peine d'y croire. Et que l'argent ne peut pas l'acheter.